Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire, les résidents du village de Ouedgo Petit dans la commune de Koupéla, dans la province du Kuritenga, sont mécontents. Pour cause, 400 hectares de terres agricoles sont menacés par un projet local dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. Ils l'ont fait savoir hier à travers une manifestation. Beaucoup de femmes sont victimes des violences obstétricales et gynécologiques pendant une consultation médicale ou un accouchement. Elles vont d'actes non appropriés à la non-utilisation de l'anesthésie pour des interventions douloureuses. L'association communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina, ABFAB, dénonce ces pratiques. Marceline Tou, présidente de l'ABFAB, nous en parle dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, les violences obstétricales et gynécologiques sont une forme de violence restée longtemps minimisée. Action communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme ABFAB intensifie sa lutte contre cette forme de violence par des actions de sensibilisation. C'est le but d'un atelier de formation organisé à l'endroit de 10 femmes la semaine dernière. La présidente de l'association ABFAB, Marceline Tou, revient sur les objectifs de cet atelier. Elle est au micro de Ruben Wilson-Kodjo. L'objectif que nous recherchons à travers cet atelier de formation, c'est que les personnes qui seront formées ici, ce sont des leaders en quelque sorte. Nous aimerons que ces leaders-là soient des relais au sein de la communauté pour sensibiliser la population tout entière sur les violences obstétricales et gynécologiques. Également de former le professionnel de santé, y compris les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les magnéticiens, et par rapport à cette lutte-là. Et les problèmes que nous rencontrons sur le terrain, en quelque sorte les violences basées sur les violences gynécologiques et obstétricales, ça veut dire que lors des consultations même, il n'y a pas de consentement en quelque sorte. Et le médecin peut décider de faire une action sur la femme sans son consentement. Et également, il y a des injures. Peut-être pendant la grossesse, à l'accouchement, les soins postpartum, on rencontre chaque fois des injures, et des mauvais comportements, et pas d'accompagnement psychologique. Et tout ça, ça fait que nous voulons, à travers cette rencontre-là, pouvoir lutter contre ces phénomènes-là. Nos actions ne vont pas se limiter à ça. Il y aura une autre rencontre avec les responsables des médias. Et après cela, nous allons transmettre un message fort de plaidoyer au ministère de la Santé. L'entreprise Splendor Wendemi Group de Carole Ouédraogo, solidaire des veuves des forces de défense et de sécurité, tombée au front. L'entreprise a formé 10 femmes des FDS tombées en pâtisserie au quartier Belleville de Ouagadougou. Cette formation marque la contribution de l'entreprise à l'effort de paix. La formation a pris fin le samedi écoulé. Les précisions de Yacouba Kemtore. Elles sont au total 10 femmes veuves des forces de défense et de sécurité tombées au front qui ont bénéficié de la formation en pâtisserie. Durant 2 semaines, ces femmes ont appris les techniques de la fabrication des gâteaux, de la pâtisserie. Elles ont salué l'initiative de l'entreprise Splendor Wendemi Group et disent être prêtes à entamer le monde professionnel. Au cours de cette formation, nous avons appris à faire des hot dogs, des mini pizzas, des friandes, des samoussas, pastels. On a aussi à faire le gonré surprise et on a eu à faire pas mal de recettes que je ne saurais tout citer. 2 semaines de formation, vraiment, on a appris beaucoup de choses. À l'endroit de Madame Carole, on a appris beaucoup de choses, des pizzas, des hot dogs, des mini burgers, des pastels, même on ne saurait citer. On la remercie vraiment beaucoup. On remercie l'association. Et grâce à ça, je pense que nous aussi, on va essayer de se débrouiller avec. Parce que c'est beaucoup, quoi. Avoir à suivre une formation comme ça, ça peut nous permettre aussi d'aller de l'avant, de pouvoir nous en sortir, nous occuper des enfants aussi. Cette formation en pâtisserie voulue par l'entreprise Splendor Wendemi Group
est une manière pour elle de contribuer à la lutte contre le terrorisme au pays des hommes intègres. Elle a eu l'initiative pour cette fois de former les femmes des FDS tombées au front. Et c'est notre façon de contribuer à l'effort de guerre vu toute l'insécurité que vit notre pays. On apporte notre soutien à l'État à travers ce geste-là. On va apprendre à nos soeurs ce talent qu'est la pâtisserie pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de leurs enfants. On attend d'elles, à l'issue de cette formation, qu'elles puissent mettre en pratique ce qu'elles viennent d'apprendre pour subvenir un peu à leurs besoins quotidiens. L'entreprise Splendeur Wendemi Group est une entreprise qui intervient dans le domaine de la pâtisserie et de la décoration. Elle a été créée en 2022 et son siège se trouve dans le quartier Belleville de Ouagadougou. Et puis, une trentaine de jeunes filles issues du milieu estudiantin et du secteur informel ont été outillées sur l'importance de l'actionnariat populaire au Burkina Faso. L'initiative est de l'ONG Voix de Femmes, une manière pour elles de célébrer la 167e journée internationale des droits des femmes. L'événement a eu lieu le samedi dernier au siège de l'ONG au quartier Bendogo de Ouagadougou. Le point avec Daouda Yamengo. Autour d'une causerie éducative, l'ONG Voix des Femmes dans ses actions de promotion de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles a échangé avec des étudiantes, des élèves, des femmes du secteur informel sur le thème « Entrepreneuriat communautaire et inégalité économique ». Une occasion selon l'ONG d'encourager et soutenir les femmes et les jeunes filles dans leur parcours entrepreneurial. Nous avons estimé qu'il était bon qu'on ait en tout cas des échanges avec les jeunes filles qui sont soit des étudiantes, des élèves qui sont dans le secteur privé, dans le secteur informel, afin justement d'échanger avec elles sur justement le rôle ou la contribution de la femme dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'actionnariat populaire, qui est une stratégie, une philosophie, une démarche qui est en tout cas mise en œuvre par notre pays. Selon la conférencière et membre de l'ONG Voix de Femmes, cette rencontre va permettre aux jeunes filles de développer leur leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous attendons vraiment un développement de leur leadership. Et le développement de leur leadership va leur permettre vraiment de s'engager dans la mise en œuvre de ce programme d'entrepreneuriat communautaire. Mais aussi, elles vont aller sensibiliser et leur sœur pour qu'elles puissent elles aussi s'engager dans la mise en œuvre de ce programme-là. Et cela va permettre vraiment leur autonomisation économique. La causerie éducative a été un espace de dialogue et de partage d'expériences pour Sharifa Sawadougo et ses camarades. Elles promettent de partager les connaissances acquises avec les autres. Ils nous ont d'abord parlé de l'actionnariat populaire dont on a entendu parler, beaucoup parlé ces derniers temps. On ne savait vraiment pas ce que c'était dans les détails, mais ils nous ont bien expliqué ça dans les moindres détails. Et après, ils ont débattu sur ce que les femmes peuvent apporter. Ils nous ont appelés à vraiment mettre le paquet, à contribuer dans cet actionnariat-là pour créer nous aussi notre autonomisation. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir passer le message autour de moi qui plus tard nous sera bénéfique. L'ONG Voix de Femmes est créée en septembre 2000. Elle défend les intérêts et les droits de la femme et de l'enfant burkinabé. Direction Koudougou, la commune de Koudougou dans le Boulkiamdé est désormais dotée d'une agence 5 Mani, une installation qui répond aux ambitions de la structure de s'implanter dans les 13 régions du Burkina Faso. L'inauguration de l'agence 5 Mani à Koudougou a eu lieu le vendredi dernier en présence de Micheline Zombo. Cette agence 5 Mani dans le Boulkiamdé constitue la quatrième sur tout le territoire national. Elle vient desservir Koudougou, Réo, Sapui, Léo et Sabou. Cette agence, comme toutes les autres, est dotée de tous les services, transactions d'argent et paiement de carburant, entre autres. C'est pour matérialiser notre présence et pour contrôler la province et partant le pays et l'Afrique en général. Avec 100 monnaies, avec les stations partenaires, on pouvait payer du carburant. Et très bientôt, on pourrait payer le courant et l'eau avec 100 monnaies. Aujourd'hui, avec 100 monnaies, vous pouvez également payer vos unités et bénéficier des promotions
dans toutes les régions. Athanase Yamego, le représentant du président de la délégation spéciale de Kodougou, apprécie cette initiative et invite la population à se l'approprier. Nous avons toujours prôné jusqu'au chef de l'État de consommer local, de soutenir la jeunesse. Et voilà que Dieu faisant, deux jeunes ont eu l'initiative d'oser se lancer dans cette entreprise gigantesque. Et ils ont fait leur part du boulot. Il nous reste à nous de le faire le nôtre en les accompagnant. Donc, au nom du président de la délégation spéciale de Kodougou, nous invitons toute la population de Kodougou à adhérer à cette entreprise pour booster au sommet 5 monnaies, car c'est une fierté nationale. 5 monnaies entend dans les prochains jours ouvrir des agences à Puitenga et à Bobo-Dioulasso. L'entreprise compte à ce jour plus de 600 000 abonnés. La compagnie aérienne égyptienne Air Cairo a organisé une excursion touristique en Égypte le 2 mars dernier. Objectif, promouvoir le tourisme en Afrique. À travers cette excursion, Air Cairo veut inciter les Burkinabés à faire confiance à sa compagnie pour leurs différents voyages touristiques et d'affaires. Ahmed Joël Comporé nous en dit plus. Cinq heures d'horloge, c'est juste le temps qu'il a fallu à Air Cairo pour rallier Ouagadougou, Caire, la capitale de l'Égypte. Air Cairo dispose d'une flotte importante et dessert plusieurs pays en Afrique et au Moyen-Orient. Le professionnalisme des travailleurs est l'une des marques déposées de la compagnie, comme en témoignent ses passagers à bord. Opérationnel 5 sur 5. Effectivement, Air Cairo, ah, c'est le las. C'est le las parce que vraiment, j'ai pas senti le voyage. Et c'est un voyage vraiment très passionnant. Et j'ai aimé vraiment le repas, j'ai aimé toute la situation. Et c'est une belle compagnie. Il faut que vraiment cette compagnie aille loin. Et comme c'est un direct, 5 heures de temps, on ne le sent pas. Donc on aimerait vraiment que le groupe porteur vienne et que ça soit vraiment le las pour nos pays, que nous puissions voyager comme on veut et à moindre coût. Avec Air Cairo, le voyage est clean. Nous sommes déjà arrivés. Nous sommes déjà arrivés cleanement, stablement. Et maintenant, ça veut dire qu'il faut toujours avoir la sécurité propre, clean, pour pouvoir prendre le vol Air Cairo. Pour son directeur général Amir Fahmi, Air Cairo se distingue de par le coût abordable et la qualité de ses services. Air Cairo is Egyptian airline. Air Cairo est une compagnie aérienne égyptienne qui a la plus jeune flotte aérienne en Afrique et au Moyen-Orient. Elle a plus de 20 ans d'expérience et dessert plus de 50 destinations à travers le monde. Vous devez choisir Air Cairo à cause de la qualité de ses appareils, du bon service à bord, du service après-vente et des tarifs imbattables de longue vie. A good prices for the tickets. Air Cairo, c'est aussi la promotion du tourisme en Afrique. Et nous avons des vols directs sur Dakar, deux fois par semaine, les mercredis et samedis, et également sur le Caire, mercredi et samedi également. Voilà. Donc ça permet de rapprocher quand même l'Égypte qui était vue autrefois, vraiment une ville lointaine, grâce à Air Cairo. Et grâce à Air Cairo, nous sommes au Caire aujourd'hui. Nous sommes présents en Égypte pour promouvoir le tourisme. Nous sommes là avec les agences de voyage pour un peu promouvoir ce secteur-là. C'est aussi l'occasion pour Amir Fahmi, DG de la compagnie, de remercier les autorités burkinabées pour l'accueil. C'est de remercier le gouvernement burkinabé, le ministre du Tourisme, le directeur de la CEPNA et la nation entière. J'aimerais aussi inviter tout le monde à passer dans nos bureaux, 6 dans le projet Zaka. J'invite tous les voyageurs à réserver leur billet à Air Cairo pour toute destination.
La flotte de la compagnie aérienne égyptienne Air Cairo est forte de 31 avions. Elle dessert plus de 50 localités à travers le monde entier. Je vous l'annonçais également en titre, les habitants du village de Wedgo Petit dans la commune de Kupela, dans le Kuritenga, ont manifesté leur mécontentement contre un projet dans leur village. Le projet occupe plus de 400 hectares. La manifestation a eu lieu hier à Wedgo Petit. Abdoulaye Kinda y était. Sur leur pancarte, l'on pouvait lire « Non au bradage de nos terres, non à l'expropriation de nos terres ». Ils étaient en majorité des jeunes, les habitants de Wedgo Petit, dans la commune de Kupela, qui manifestaient leur mécontentement. Ils ont également adressé un message aux anciens du village de ne pas brader leur terre au profit d'un projet qu'ils qualifient de fictif. Nous assistons à une expropriation des terres de nos parents. Depuis un certain temps, on nous a parlé d'un projet qui est venu occuper tous les champs, à peu près 400 hectares qu'ils ont évalués, et que le projet dise que c'est un projet d'État. Mais nous avons cherché à comprendre, bon, il s'agit de quel projet au juste, mais jusqu'à présent on n'a pas eu d'informations. On a approché les autorités locales, notamment la mairie et la préfecture, mais ils disent qu'ils ne sont pas informés de ce projet. Donc c'est pourquoi la population a décidé de se retrouver aujourd'hui pour dire non, voilà, à cette occupation anarchique, voilà, sans consulter quand même la base, voilà, qui sont les propriétaires terriens. Au cours de la manifestation, des bornes ont été déterrées. De nos jours, personne ne doit venir exploiter encore les terrains qui sont là, que le terrain fait partie de la propriété maintenant du projet. Le projet, c'est pour le développement. Nous sommes d'accord, on est tous là pour le développement. Mais on pense qu'il y a des préalables qu'il faut, notamment quand on chasse d'abord, il s'agit de quel projet? Le projet va faire quoi? Et quelle serait la contribution de la population locale? Quels sont les avantages qu'ils pourront bénéficier? Mais ça n'a pas été le cas, on n'a pas voulu nous écouter dans ce sens. Ça fait bien, en tout cas, un certain moment, on est là, on demande à voir les documents pour au moins avoir une idée claire sur le projet. Mais hélas, à tout moment, ils sont en train de nous fuir quand il s'agit de dialoguer. Les manifestants invitent les autorités coutumières et administratives locales à donner des éclairages sur le projet. Nous voudrons quand même qu'il y ait plus de lumière sur le projet. Et d'autres nous disent que non, ils veulent faire des plaques solaires ou bien c'est pour l'électrification ou quoi. Mais nous pensons que jusqu'à 400 hectares quand même, c'est trop. Nous sommes prêts à collaborer, mais avant de collaborer, il faut qu'on nous dise la vérité. Voilà, la vérité. C'est ça que nous voulons d'abord, avant de continuer les échanges. Ce projet qui crée des mécontents dans le village de Wedgo Petit, situé à 15 km de Kupela dans le Kuritenga, date de 3 ans. Il occupe une superficie de plus de 400 hectares. L'association Culture Citoyenne et Droits Humains a procédé au lancement de la phase pilote de la mise en place des gouvernements scolaires dans les lycées et collèges du Kadiogo. Le lancement est intervenu ce samedi au lycée mixte de Gunga. C'est un reportage de Pakiswa Mariam Edraogo. L'incivisme et le banditisme ayant pris de l'ampleur dans les établissements, des conseils d'éducation, des assistants et attachés d'éducation, ainsi que des enseignants ont décidé de créer des cellules de gouvernement scolaire dans certains établissements à Ouagadougou, à travers l'association Culture Citoyenne et Droits Humains, une initiative qui a germé en 2011. Ce projet va nous permettre aussi de cultiver la paix, la cohésion, la non-violence dans nos établissements, en permettant aux enfants, aux élèves de s'auto-discipliner à travers ces actes citoyens. Ce projet vise à amener les élèves à s'auto-éduquer. On peut dire que beaucoup se bousculent pour entrer dans le gouvernement scolaire. Et au fil des années, on a les accompagnements des membres du personnel. Beaucoup nous accompagnent financièrement comme moralement. Ils nous produisent beaucoup de conseils pour qu'on améliore plus. Et comme on dit bien, pour intégrer cette structure, il faut au moins que tu aies la moyenne.
Donc on nous accompagne côté éducatif comme côté moral. On nous incite plus à bosser. Pour être dans le gouvernement scolaire, on veut que tu sois un élève discipliné d'abord. Exemple, il ne faut pas avoir dit de mal de toi partout. Comme premier acte, on a fait le fleurissement. On a fleuri et truc, la devanture de l'administration. Mais bon, avec truc, le temps, le drapeau aussi, donc avec le temps, on veut faire nos activités. On va faire, comme l'année scolaire est presque finie, on va accélérer nos activités pour faire plus, pour marquer notre nom dans le lycée mixte de Gunga avant de partir. Les élèves qui composent le gouvernement scolaire sont des élèves exemples en matière de discipline dans les établissements. Dans nos établissements, là, on a dit à l'image du gouvernement du Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso n'est jamais allé en grève. Et nous, nos gouvernements scolaires ne vont jamais en grève. Ils se sensibilisent. Nous voulons éviter les grèves récurrentes. Il faut qu'il y ait bien une raison suffisante. On peut toujours passer par la médiation pour régler les problèmes que nous avons dans nos établissements. Et nous, conseillers principaux d'éducation, nous sommes des médiateurs. Nous sommes la porte d'entrée avec, à travers ces élèves. Et vous avez vu que dans le gouvernement scolaire, nous avons un porte-parole qui vient vers nous pour transmettre les doléances. Et nous aussi, nous transmettons à nos chefs d'établissement. Et ensemble, on trouve des solutions pour le bien de la communauté éducative. La cérémonie du lycée mixte de Gouin consacre le lancement de la phase pilote du projet mis en place des gouvernements scolaires dans les lycées et collèges du Kadiogo. Après le bilan de cette phase pilote, l'association compte implanter un gouvernement scolaire dans tous les établissements publics et privés du Burkina Faso. Pour clore ce journal, l'artiste Zabda à l'état civil Ablassé Zongo se produira en live le 22 mars 2023 au Senaza. Un premier live en collaboration avec l'équipe Mogo Band Orchestra dénommée La Traversée du Mogo. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée le vendredi dernier. Le point avec Madina Touedraogo. L'artiste Zabda va donner un concert live d'1h25 à ses mélomanes. Il est prévu à l'occasion des sensibilisations en lien avec l'environnement. Et la particularité de ce concert aussi est que c'est lié l'art, la culture, pour répondre à la question aussi de l'environnement, qui est de poser des questionnements, la protection de l'environnement. Et donc notre concert, c'est un spectacle musical auquel on va faire 100% live, qui est une création. On va convoquer plusieurs disciplines pour pouvoir créer ce spectacle. Donc il y a la musique, mais au-delà de la musique, vous allez avoir aussi une mise en scène qui sera accompagnée aussi de la vidéo. Et pour nous, en tout cas, c'est un spectacle pour moi et un défi à relever. Qu'on est là aujourd'hui pour témoigner, pour passer le message. Dans le domaine de la sensibilisation, l'artiste est déjà à l'œuvre. Une sensibilisation sur la dégradation de l'environnement due aux déchets plastiques a été faite avec les enfants déplacés internes de Kaya. Comment les arts peuvent être aussi utilisés pour la paix et la cohésion sociale. Donc on allait travailler à Kaya avec 80 enfants, avec des ateliers en danse, en musique, en théâtre, en peinture. Et puis en compte. Et ces 80 enfants, c'était des enfants des déplacés internes, avec des enfants aussi de la communauté d'accueil, auquel on a essayé d'avoir 40 enfants de déplacés et 40 enfants de la communauté d'accueil. D'abord pour que ces enfants puissent être des amis à travers les arts. Et puis, et de là aussi, on a travaillé aussi à récolter, c'est-à-dire d'utiliser aussi de la récupération qui est comme des bidons, et comme de faire pour créer des instruments de musique avec les enfants. C'est-à-dire aussi dit que les enfants, ce qu'ils voient dans la rue, ils peuvent utiliser aussi pour s'approprier, pour créer, pour travailler. Et donc, et là aussi, c'était le concept du traversée du Mogo, et c'est-à-dire à là aussi, on a créé un spectacle, la création du spectacle, travailler à l'aboutissement pour créer un spectacle avec ses enfants qui s'appelle aussi la traversée du Mogo. Le concert de l'artiste musicien Zabda et Mogo Band Orchestra est prévu le 22 mars prochain au Senaza. Ce fut un plaisir de vous présenter ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savant TV. Au revoir.